Bonjour à tous, je vais vous présenter ce disque diamant de la marque SCR. Voilà, de diamètre 125, donc pour les petites meuleuses d'angle. Pas de nécessité d'utiliser à l'eau, donc coupe standard, voilà, disque diamant standard. La particularité de celui-ci, je vais essayer de l'ouvrir sans tout arracher. Voilà. Particularité de celui-ci, c'est que la partie diamantée est quand même relativement large, donc il pourrait être utilisé pour arrondir des angles par exemple. Moi je vais l'utiliser notamment pour du carrelage, donc ça sera bien pratique d'avoir cette partie-là pour pouvoir arrondir des angles de carreaux. Donc on va s'amuser un petit peu. Voilà, j'ai une meuleuse d'angle, mon disque, il est tout neuf, il n'a jamais servi. On va voir ce que ça donne. Comme ça, je pourrais pas vous mentir. Donc au niveau du son, je ne sais pas trop ce que ça va donner avec l'appareil photo. Je pense que ça risque de saturer un petit peu, donc je vais reculer. Hop, ici, on va bien le serrer. Voilà, c'est bien serré. Je vais reculer un petit peu l'appareil photo. Voilà, on va faire comme ça. Je vais mettre mon casque anti-bruit et mon bout de carreau que j'ai préparé, voilà, qui est un carreau engrais cérame, donc c'est pas, voilà, c'est pas de la pâte rouge, ça se perce pas et ça se coupe pas très très simplement. Donc ben voilà, je vais faire une petite découpe dans ce carreau là et voir ce que ça donne. Ouais, je vais le faire là juste sur l'angle, hein, c'est vraiment pour se donner une idée. Bien sûr, n'oubliez pas de porter des gants, invisibles, mais le mieux c'est d'en avoir. Alors, le mieux c'est de le faire à l'extérieur, bien sûr. Là, je mange un petit peu de poussière. Mais voilà, la coupe, est-ce que vous voyez quelque chose? J'essaie de faire la mise au point. Voilà. Voilà, la coupe, elle est belle, elle est plutôt nette. Donc elle s'est cassée à ce niveau-là parce que j'étais sur un angle et puis sur un plan de travail qui bouge un petit peu. C'est pas évident de faire la mise au point. Voilà. Donc voilà, là c'est le haut de la coupe. Donc il y a quelques éclats, mais bon, ça c'est relativement normal, hein. C'est difficile d'avoir une coupe parfaitement droite. Le disque en lui-même, il n'est pas chaud. Il a bien coupé. Il n'y a pas de défaut apparent. Donc là, oui, je l'ai fait sur un petit bout, mais la coupe s'est vraiment faite facilement, hein. J'ai pas eu besoin d'appuyer, j'ai pas eu besoin de forcer. Voilà, j'ai juste posé la meuleuse d'angle. Je l'ai juste posé, j'ai appuyé un petit peu et la coupe s'est faite sans problème. Donc, avec ce petit test-là, je peux dire que je suis quand même très satisfait de ce disque à diamant. Il coupe très bien, il n'y a vraiment aucun problème. Je pense que vous pourrez vous en servir quand même pour pas mal de découpes. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.